À quel moment tu dois faire des déclarations et à quel moment tu dois faire des actions de grâce? Seul le Saint-Esprit sait ce que Dieu veut. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Tu peux être très intelligent, le premier de ta classe même, le plus intelligent de ta famille. Mais frère, concernant les choses de ta vie, de ta destinée, je t'assure, si le Saint-Esprit ne t'inspire, tu ne sauras ce qu'il faut demander à Dieu. Le domaine de l'Esprit n'est pas le domaine des hommes. C'est pourquoi il dit que ce sont des mystères. Arrête de rester à la surface. Pour rentrer dans le domaine de l'esprit, il faut l'esprit. Il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit pour que ton esprit crée la connexion avec Dieu. Et cela déverse, télécharge la puissance de Dieu dans ta vie. Il y a des difficultés que si ce n'est le Saint-Esprit qui te conduit dans les prières ou dans le parlant langue, tu ne peux déplacer ces montagnes. Il y a des montagnes devant lesquelles seul le Saint-Esprit va te donner l'énergie, la puissance, la capacité spirituelle pour déplacer la chose. Et il dit, mais l'Esprit lui-même intercède. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous aide dans des prières que nous-mêmes, on peut ne pas comprendre. Ça veut dire qu'il te met dans un état où tu fais un cœur à cœur avec Dieu. Tu es en train de prier en langue, mais ton cœur est aligné avec Dieu. Le Saint-Esprit commence à dire des choses. Va te dire, mais commence à dire ça. Commence à prier pour ton père. Commence à prier pour ta mère. Alors que tu es allé pour un sujet de travail, on te dit, prie pour ta mère. Ah, tu dis, Seigneur, mais donne-moi la chose. Mais il te dit, non, prie pour ton responsable. Il dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quand il dit dans notre faiblesse, ça veut dire souvent tu es incapable de comprendre. C'est-à-dire que notre intelligence humaine ne perçoit pas certaines choses. Donc le Saint-Esprit vient et puis il est avec toi. Et il s'associe avec toi. Il a un objectif de s'associer avec toi, mais pour te sauver. Comme dans l'ancien temps où Dieu il dit ceci, je suis venu et j'ai pris mon peuple de la main de l'Égypte et je l'ai conduit. Donc l'objectif de l'Esprit, c'est de te prendre par la main, dans la conduite de la prière et de te montrer le chemin. Comme Jésus a tendu sa main en disant, Pierre, viens. Jésus ne l'a pas remis dans la barque quand Pierre était en train de plonger. Il a pris par la main et il l'a soulevé. Alors, cette faiblesse que Pierre avait eue, qui était la peur, à cause de ça, il était en train de plonger. Qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, Pierre a eu cette capacité de se tenir debout devant cette vague. Et le Saint-Esprit va venir cette semaine, quand tu seras dans une faiblesse, quand tu vas dire Saint-Esprit, tu vas élever la voix en train de parler en langue, en train de demander l'aide de l'Esprit, alors le Saint-Esprit viendra et il va établir lui-même la capacité spirituelle en toi afin d'affronter la chose.